T'imagines des chercheurs. Bon, bah là, on est avec François. François, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va plutôt bien. Je fais des recherches sur Internet depuis maintenant pas mal de temps autour de l'écologie. Et savez-vous que la Terre est plate? Je vous jure que c'est vrai, la Terre est plate. Je dis que... Oh, Gisèle! Quand je t'ai invité, tu m'as dit, ouais, je suis partante. Mais juste, il y a qui en fait? Moi, bah, je veux pas venir parler avec des bouffons. Des questions de conflit d'intérêts parfois. Et j'avais pas envie qu'il y ait des trucs de lobbyisme. Et le mec de Total qui arrive juste après là, qui vient nous expliquer. En vrai, le lobby du lait en fait! Ben, moi, il y a un gros truc que faisait ma famille, c'est de jamais acheter neuf. On allait voler dans les déchetteries. Mon père a toujours chopé et après réparé. Et en fait, le ratus master. Oh, c'est pas mal en vrai. Oula, 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 je suis très à gauche là. Et ça passe comme... Très à droite, pardon, et ça passe quand même. Ce qu'aurait pu dire Macron sur sa réélection, non? Ah. Ok, le 2 d'esquive maintenant. Regardez bien, la précision du joueur français là-dessus. Nope. Fini le lac et je reset, ok? Je reset. Je vais faire un backflip. Remets ça là, je t'en conjure, putain de merde. Putain de merde. C'est mon côté italien qui ressort. Il rote la peau. Mais y'a rien du tout, y'a rien du tout, merde. Mon papy, il dit que lui aussi, il aimerait bien que ce soit sa maîtresse. Putain, mais la lourdeur, sérieux. C'est l'objet, le petit Spirou, c'est quoi? C'est Boops Party? C'est ça, c'est la guerre des nichons? N'hésitez pas à rejoindre la game, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les messages en avant pour dire aux gens, ouais, quand est-ce qu'on baise et tout, mais ça a aucun sens. Si jamais, Grammy, tu n'as pas entendu le message de Hans Tuo, tu as attendu pour du sexe d'ici 15 minutes. Tu as attendu pour du sexe. Merci Ponce, je vais pouvoir prendre ce que je mérite. What? T'as un problème de respiration, Ponce? En vrai, j'ai un Donald, hein. J'ai un vrai Donald pour le coup. Mais on a affaire à la finale. Je lance la prédiction effectivement pour savoir. Qui sera le maître des fleurs? Alors, putain, elle est tuée avec Isaac, avec Isaac, envie de die, hein. Putain. Allez. What? Oh, j'ai des belles bombes, hein. Que la force soit avec vous, maître. Merde! J'ai appuyé sur ma carte chaos sans faire exprès. En posant ma main sur ma cuisse. Je suis abattu. Viens pas parler avec moi, frère. Moi, je vais parler provençal avec ma famille, qu'est-ce que tu veux? Moi, je parle comme ça, Mino. J'arrive à cours d'allemand. Ich kann einfach auf Deutsch sprechen. Ich wohne in Morière les Avignons. Oui. Je te baise, Orlando Bloom, si tu le souhaites. Pardon. Non, mais en fait, le truc que je comprends pas, c'est les filles, en fait, qui font pipi assis. Moi, je suis un homme, un vrai. J'ai de la testo. Je vais pas m'asseoir pour faire pipi. Je suis un bonhomme. Moi, m'asseoir pour faire pipi. Je suis un bonhomme, je m'en bats les couilles. Non mais là, je sentais que j'étais trop à gauche. Faut vraiment sur la plateforme que je suce la droite. Un Macron. Dans le jeu. Mais moi je veux faire l'amour. Attends, non. Attends. C'est maintenant. C'est les émotions, en fait. J'avais dit. J'ai demandé à mon mec de se raser une fois avant qu'on se marie, plus jamais il le fera. Ah, tu vois? Attends, mais t'es peut-être ma mère? Lily Duck, tu t'appelles comment dans la vie? Ah non, tu le saurais, la question est conne. Bon, j'ai 34 ans, calme-toi. Effectivement, tu n'es pas ma mère. Putain, j'ai cru que j'avais retrouvé ma mère dans le chat, quoi. Je me suis dit, la dingue! Dingue, en fait, ma mère est une fleur, elle est dans la salade actuellement. Elle m'entend parler d'éjaculation précoce, de drogue et de féminisme. Là, ça régale. Oh, il faut que je démarre mon live speak là. T'as mis le fond vert. Je suis en fond vert, mais en fait, j'avais pas capté que c'est ultra satisfaisant comme il est bien réglé en fait. Par exemple, attends, vas-y, fais voir. Quand je baisse, en fait, c'est exactement. Les éléments sont exactement aux mêmes endroits. C'est putain de satisfaisant. Oh mec, c'est une dinguerie. Mais... Ouais. La deflect. Et au moment où tu vas deflect, Tézé va faire son attaque aussi. Du coup, tu remontes pour éviter son attaque et Astarion va sauter sur Tézé, du coup, vu qu'il était. Et comme ça va pack les deux et après, tu pourras les proc tous les deux. Ah,
aucun déplacement qui est laissé au hasard. C'est ma c'est le slow run, enfin je sais pas. Moi je kiffe, et si vous voulez pas profiter du jeu, c'est pas mon problème, ok. La société de surconsommation en permanence là qui bouffe tout. Oh 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 oh. Ça va bon. Non, ça va pas, non, ça commence à me saouler. Hein, TikTok et compagnie, la vidéo dure plus de 10 secondes, je m'ennuie, c'est trop long, je comprends pas. Oui, oui, bah l'attention des jeunes, on arrive plus à l'avoir, putain, j'ai 7 PV. J'ai 7 putain de PV. Rigole pas de ça, surtout le crack, ça détruit des vies, ça détruit du monde. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, prenez rien ou réfléchissez énormément avant de faire des choses et suivez pas bêtement les gens. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'il est cool. Si quelqu'un est cool, c'est parce que il a eu 20 sur 20 en maths. Ça, c'est cool. Le mec, il fait l'apologie de la drogue depuis 20 minutes et puis il fait attention, hein. Attention les jeunes. Une tronçonneuse, genre c'est bière plus Ricard, c'est délicieux. Mais quoi? Une tronçonneuse bière Ricard? Oh, ça me dégoûte. Et nous, on s'en fout bien pas mal quand on boit des tronçonneuses. Bière Ricard, mais tu sais que même pas envie de goûter, quoi. J'ai pas grandi dans le lait, moi. Je trouve ça immonde, le lait, ça me dégoûte. Je vais même vous dire, quand j'avais mes sœurs qui faisaient genre... qui mettaient du lait dans leurs céréales, elles me donnaient la gerbe. Je disais, mais vous me dégoûtez, vous êtes immonde avec votre lait, j'ai la gerbe. Et elles me disaient, j'en ai rien à foutre, je suis ta grande sœur, ta gueule, les deux, hein. Évidemment, c'est deux grandes sœurs jumelles. Soit quoi, je répondais, c'est pas qui je suis. Directement, elle répondait, bah si, t'es mon petit frère et tu fermes ta gueule. C'est quoi ton plus gros kiff en stream maintenant que t'as pu tester plein de trucs? C'est être entièrement nu au niveau de la partie basse et que vous ne verrez pas de toute façon parce que, bah en fait, vous voyez pas en bas. Donc ça, c'est mon gros kiff en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se prennent la tête. Oh non, il y a des impayés. Ah, mais vous parlez oiseau? Je parle très vite. Républicain social. Là, pour le coup, il y a des impayés, ouais. Tu vas payer, c'est moi qui te le dis. Je sais où tu te caches. Cher, parce qu'en fait, il sait que l'appartement est juste en dessous là. Parce que, arrêtez de me filmer, s'il vous plaît. J'étais en train d'engueuler. C'est. Bon, je me casse. Bah, c'est surtout que... Oui, alors regarde. Financé pour la plupart par des fermiers généraux ou par des spéculations comme la traite des... ça a failli être ultra chaud. Des intellectuels qui seraient... Ouais, on va changer de sujet bientôt, je pense, hein. Aux origines de la poutine, oui. Ça... Oh, le cauchemar, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Oui, mais chef Michel, il va mettre 8 kilos. Alors, il va dire, alors, pour cette recette de la poutine, j'ai décidé de personnaliser. J'ai mis comme ça. J'écrase comme ça. Comme ça. Ok, je vais revenir. Revenir. Super nickel. Réservé. Ah, pas mon feu. Tu peux te positionner pour avoir le képi de Mario sur la tête, s'il te plaît? Bien sûr, ça c'est une classique que j'ai déjà posté hier. Ma France, mon vin rouge, mon fromage. C'est quoi ça? Bah, oui. Il y a une interview? Mais pourquoi il y a ça? Non mais attends. Pourquoi il y a ça? Oui, c'est une interview. Écoutez, je ne souhaite pas m'exprimer à ce propos là. Merci.